Salut tout le monde, vidéo aujourd'hui sur le jeu A King's Tale Final Fantasy XV. Oula, la musique qui s'emballe déjà aussitôt là. Vidéo, pas vraiment vidéo découverte, plutôt une vidéo de let's play, voilà, je vais l'estampiller ainsi. Puisqu'il n'y a rien vraiment à découvrir ou à vous faire découvrir. C'est un jeu disponible gratuitement sur le PSN Store et également sur le Xbox Live. Moi je joue sur PS4 là en l'occurrence. Gratuitement donc, qui se passe dans l'univers de Final Fantasy XV et qui raconte avec un style graphique et un gameplay bien différent du jeu de base, enfin du jeu de FF15, voilà, des péripéties du père, à savoir Régis, le père d'Anoctis, dans FF15. Moi j'ai pas joué FF15, j'ai vu des vidéos dessus, bon c'est pas des jeux qui... Ça m'attire voilà, en termes de jeux vidéo, mais en termes d'univers et tout, c'est pas des trucs qui m'attirent ou qui m'intéressent plus que ça. Donc voilà, je ne vais pas forcément jouer longtemps, enfin c'est fun à jouer mais c'est pas forcément fun à regarder, enfin il n'y a pas plus d'intérêt que ça à regarder. Donc je vais faire une vidéo je pense assez courte. J'ai déjà joué au jeu, en fait là c'est la deuxième capture que je fais parce que la première fois j'ai fait la capture sauf que j'avais complètement zappé qu'il y avait une limite de temps sur PS4 pour capturer les vidéos à savoir de 15 minutes. Donc moi je jouais comme un forcené genre 20 minutes et tout, hein. J'étais à fond dedans, je fais des super blagues et tout. Et puis bah derrière en fait, merde, voilà, gros fail, hashtag boulet. Donc on va faire le mode histoire, on va faire une nouvelle partie, voilà. Pour la peine de vous en dire plus, en fait, hein, voilà, édité par Square Enix, etc., etc. Je vais redémarrer le jeu depuis le début, à Insomnie, appartement royal de père en fils, voilà. Et vous allez vite comprendre le gameplay, c'est un peu hack and slash, beat them all, ça fait penser à Mother Russia Bleeds, dont j'avais voulu faire une vidéo dessus, en fait. Je crois pas que je l'avais faite, enfin je sais plus. Je crois que je l'avais parlé, mais je l'ai pas faite. Dans le style, enfin on va voir quand on va être dans le jeu. Là pour l'instant on a une petite intro avec Régis qui dit « Quelle histoire veux-tu que je te lis ce soir ?»« Ah, je les connais par cœur, papa. Tu veux bien m'en inventer une? Une histoire avec toi dedans ?» En l'occurrence, c'est pas inventé si ça a vraiment existé. À moins que le père soit un gros mytho. « J'en ai fait vécu ma paire d'aventures, mais les histoires de ton livre sont bien plus intéressantes. » Ah, tu peux exagérer si tu veux, ou tout inventer au fur et à mesure. Raconte-moi quelque chose de nouveau. Très bien. Tout a commencé ici, à Insomnia. Il y a très, très longtemps. Insomnia, centre-ville, un homme d'action. Voilà. Je vais juste faire gaffe là au temps, par contre. Donc voilà comment se présente le jeu. Un style très rétro qui n'est pas déplaisant. Ça aurait limite pu sortir sur Super Nintendo à l'époque. Où on contrôle Régis dans sa tendre jeunesse. Avec, je dirais, enfin, des touches assez simples. Voilà. Carré pour attaquer, triangle pour attaquer avec une attaque plus longue portée et plus forte. Rond pour faire bouclier. On a aussi de la magie mais qui se débloque un peu plus tard. Si j'ai l'occasion de vous le montrer, je le ferai. Et X pour faire des roulades, enfin croix plutôt. Quelque chose ne tournait pas rond dans la ville. C'était une attaque? Tout juste, mais pas une attaque de l'armée. À part les astros, tu peux bien me vouloir Wescam à cette heure. Et où est-il? Voilà, Régis avec son superbe chimie. Kaboom! Qu'est-ce que c'était? Les méchants, méchants. Un misérable insolent. Voilà, ça se clash grave, là. Misérable insolent, moi j'aurais pas aimé. Hein. Voilà, donc, entaille, lacération et coup de bouclier. Waouh, waouh. Voilà, ok, on les dose assez facilement, eux. Restaurer la santé du personnage. Une fois vaincu, certains ennemis laissent tomber de la nourriture en attendant de restaurer la vie, votre santé immédiatement. Voilà. Des fois, il y en a qui se transforment en pommes et on peut bouffer leurs âmes, voilà. Pour restaurer de la vie. Hein. C'est cool, hein. Voilà, les. Combattre les ronins. Les maîtres ronins bloquent en taille et coups de bouclier. Percer leur défense avec lacération. Pour leur lacérer la chair. Donc, les ronins, c'est eux, là, avec leur pyjama un peu plus coloré, je dirais. Ah, par contre, je me suis pris un dégât, là. Voilà, donc, ça sert à rien de vous présenter le jeu. Je pense que vous avez vite compris, rien qu'en regardant les images, rien qu'en regardant ce qui se passe à l'écran. Donc, ça va être juste une vidéo où je vais m'amuser, voilà. Et vous allez juste être en train de me regarder, voilà. On peut faire donc des combos. Combo. Voilà. C'est pas utile de faire des bruitages derrière, hein, mais... Frappe lourde. On peut faire aussi, moi... Genre je fais carré et triangle, voilà, ça fait furie montante. Même le tutoriel ne m'a pas encore dit que je pouvais le faire, que je l'ai fait déjà. Je suis tellement balèze. Balèze! Inconcevable! Comment ces monstres ont-ils percé les défenses du royaume? Roulade! Oui, bah voilà, je savais faire. Enfin, je savais qu'on pouvait faire une roulade. Hop, pour attaquer dans le dos, tel un fourbe. Et après, ça parle des autres comme étant des misérables insolents. On verra ça, Régis, on verra ça, hein.
Ah, ces ennemis-là sont assez faciles à doser, hein. Franchement. À part les ronins qui font une parade, franchement, ils sont assez faciles. Parce qu'après, il y a des squelettes. Oui, carrément des squelettes. Des squelettes zombies. On a des boules de feu même plus tard. Alors, je pense pas que j'aurai l'occasion de vous le montrer. Enfin, je verrai bien. On a des flancs. On combat contre des flancs envoyés par la pâtisserie démoniaque. Pardon. Allez, on les termine. Ah bah vite alors. Voilà. Kaboom. C'est pas très rassurant. Et maintenant contre des bombos, voilà, ça c'est des bombes de feu. Enfin les bombes de feu, les boules de feu, voilà. On peut balancer sur les ennemis pour les faire exploser, c'est cool. Hop, dans le dos. Allez. Voilà. Ouf. On peut se téléporter, bah comme dans FF15, alors je sais pas si c'est quand j'enchaîne les combos, je sais pas trop comment ça se déroule là. Mais c'est stylé. Voilà. Après, les ennemis arrivent un peu par vague, hein. Il y a des vagues. Le jeu est. Bon, je vous l'ai dit, il est gratuit, disponible sur le PSN Store, mais il est complet en fait. C'est pas une démo ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment le jeu complet. Qui est cool. Je crois qu'il jouerait. Forcément, je pense pas que je ferais tout le jeu non plus. Enfin, faut pas déconner non plus. Mais ça peut être sympa. Si après des éléments d'RPG, genre on améliore ses combos, on améliore ses armes, etc., ça peut être sympa. J'ai l'impression que je suis loin d'en avoir fini avec eux. Yeah, level up! Ou pas, je sais pas en fait. Insomnia Ruel, au grand mot. Au grand mot, les remèdes, je peux pas. Il le dit putain dans le jeu. L'expression, ça m'a fait marrer la première fois qu'il l'a sorti. J'espère que West Ham s'en sort. Je suis plutôt bon jongleur, vous savez. Voilà, donc on a les combos aériens, on a aussi la destruction aérienne avec carré, carré et rond. Je sais qu'on veut faire 3 fois rond pour faire un cyclone, voilà. De toute façon, c'est carré, carré et rond. Ok, bon, lui, je l'ai buté. Ouais, bon, bref, on s'en fout. Hein. Voilà. Ouais, alors tu continues à les frapper dans les airs. Exactement. Rappelle-moi de te l'apprendre, d'apprendre ça un jour. Le mec, il se sauce lui-même, quoi. No fucking respect. En même temps, c'est le roi, il pèse, quoi. Oh, comment je l'ai fait valser, lui. Pou, 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 pou. Franchement, je c'est pas des jeux sur lesquels je suis fan. Enfin, c'est pas des jeux vers lesquels je vais d'habitude. Hein. Vraiment, c'est pas autre genre de jeu où c'est moi vraiment qui vais les chercher. Mais je m'amuse vraiment dessus, quoi. C'est cool. Il en faut peu, des fois, pour être heureux, lol. Enfin, c'est pas ce que je veux dire, mais... En termes de jeux vidéo, des fois, il faut pas chercher trop compliqué en termes de gameplay, de mécanique de gameplay. Et voilà les squelettes. Les zombies squelettes. Des demons, je n'avais jamais vu en plein jour. C'est comme s'ils n'avaient pas de volonté propre. Attends, c'est des squelettes, mec, alors... Je pense qu'un squelette peut avoir comme volonté, en fait. Et ils sont chiants parce qu'ils partent, voilà, ils partent des attaques. Alors, c'est pas des plus chiants qu'après des maîtres squelettes, carrément. Après, il faut un peu les bourrer, tu vois. Prends ça, René le Pironné. C'est nul. Combattre les squelettes. Les maîtres squelettes, voilà, peuvent bloquer entailles et lacérations. Utiliser coups de bouclier pour briser leur défense. Voilà, c'est eux, là, avec leur tête toute rouge. Ils sont morts après manger trop de piment, en fait. Voilà, vous êtes bien sur la chaîne du bon goût et du mouvement. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, je rends les abos. Je suis pas comme Mélenchon, je suis pas un michto. Je sais pas pourquoi je dis autant de merde. Voilà. Ouf, cyclone, bam, allez, je t'enchaîne, moi, qu'est-ce que tu vas faire, là, bouclier brutal, furie montante, oh, hop, mange ton âme qui s'est transformée en pomme, j'aimerais bien avoir la magie, parce que même si je vous montre pas les flancs démoniaques, je vous montre peut-être la magie, je crois que ça se débloque juste après, ou au niveau après, je sais pas quoi. Vous m'entendez marteler sans doute ma manette depuis tout à l'heure, hein, je m'excuse. Mais c'est un peu le principe du jeu, c'est marteler un bouton. Hein. Oh, comment je l'ai enchaîné, lui. Et toi, là.
Ok. On va essayer de prendre la boule de feu à notre avantage, voilà, mais on n'a pas fait masse de dégâts, mais c'est toujours ça. On mange la pomme, aïe. Aïe. La pomme là-bas, on va. Ah, fuck, je l'ai pas eu. Allez, plus que deux. Ouah, loupé René. Je sais pas ce que j'ai ce soir. Faut croire que le jeu me met, dans l'ambiance. Et il me reste plus beaucoup de vie, ça serait con quand même de me faire tuer. Par des squelettes, ça serait un peu ironique en fait de se faire tuer par des squelettes. Vous voyez. Faut pas faire chier Régis. Dans la série, Régis était un con. Bah là, il y en a un petit peu marre. Hein. Qui s'est foutu de ma gueule? Régis était un con. C'est vraiment la mec. Ça, c'est les nuls, ça. Les nuls d'intégrule. Ça date pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, hein. Vous pouvez toujours rechercher. Hein. Trouver ça sur YouTube. Oui, parfois d'ailleurs. Regardez les nuls, c'est un petit peu rigolo. Ouh, je sais pas ce que j'ai fait là, mais j'ai fait une sorte de double gros kick là. C'est Régis en catcheur là. Ah. Ouh, comment je l'enchaîne. Hé, attrape-moi si tu peux. Oh, raté, dans le dos. Toujours recassine de West Ham. Comment ont-ils pu contourner nos gardes? Mais c'est qui West Ham en fait là? C'est le contenu à apparaître. Comment s'en débarrasser? Hop. Bon allez, il faut que je fasse gaffe quand même au temps là. Je ne pouvais pas te servir de la magie. Ah voilà, parfait. J'allais y venir. Ah la magie. Au grand mot, les grands remèdes. Ah voilà, c'est ça. Ça m'a fait tellement marrer tout à l'heure. J'en perds mon casque. Zut. Au grand mot, les grands remèdes. Maintenant, pour charger le sort, relâchez, pour le lancer, plus vous maintenez la touche enfoncée, plus ce sera puissant. Donc du coup, en bas, on a une barre qui s'est débloquée, la barre bleue. C'est notre barre de mana, en fait. Plus j'appuie, ça remplit une barre rouge. Et voilà, je peux utiliser... à la fois, ça fait des dégâts, et à la fois, ça ralentit les ennemis. Là, je pourrais récupérer des PM, des points de mana. En tuant les ennemis. Voilà. Trop génial, papa. Merci, fiston. Voilà, la voix de dialogue, c'est juste ça. C'est juste trop génial, papa. Merci, fiston. Le mec, il se sauce, quoi. Bon, je vais m'arrêter là, parce que après, je vais dépasser le temps de vidéo. Je ne sais plus comment s'appelle le jeu. A King's Story, voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé donc, A King's Story Final Fantasy XV. King's Tale, plutôt. Non, A King's Tale Final Fantasy XV. Bref, je sais plus. C'est pas important. C'est gratuit, voilà, disponible sur le PSN Store et sur le Xbox Live, donc si vous avez l'occasion, allez-y, je crois pas que ce soit disponible sur le PC par contre. Mais c'est rigolo, voilà, moi je vais passer un bon petit moment. J'y reviendrai peut-être, et là je vais faire des... Oh, courir au ralenti, tchoum, 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 tchoum. Je m'appelle Régis, j'ai un super brushing, bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt, salut. Oula.